stimulant de la digestion. Hypocholestérolénitant et révulsif. Capsicum frutescent. Non vulgaire, piment de Cayenne, piment enragé, petit piment, pili pili. Nom africain Wolof, Cani buseux. Bambara, Foratu, Gamao, Ebaba Cani. Aouza, Barkono, Barkanu. Historique et utilisation en médecine traditionnelle. Le petit piment est d'usage courant comme stimulant, laxatif et condiment. On le recommande aussi comme anti-hémorroïdaire et parfois anti-ictérique et anti-œdémateux. Parfois, on l'ajoute aux préparations fébrifuges. Description de la plante. C'est un sous-arbrisseau pouvant atteindre un mètre de hauteur. Les feuilles sont ovales et les fleurs blanches ou jaune pâle. Les fruits sont en forme à œufs de cône, souvent groupés par deux ou trois de couleur jaune devenant rouge à maturité. Action curative. Le petit piment contient des carotenoïdes responsables de la couleur du fruit et un amide piquant et rubifiant, la capsaïcine responsable de la saveur. On y trouve aussi des vitamines et des flavonoïdes. Le petit piment est un des condiments les plus utilisés en Afrique. L'ingestion par des rats de rations contenant 5% de piment provoque une augmentation de consommation de la nourriture et un gain de poids. L'administration à l'homme augmente de façon significative la production d'acide chlorhydrique de l'estomac nécessaire à la digestion. Dans des publications récentes, le piment, de même que la capsaïcine, provoque l'élimination du cholestérol et des acides biliaires tout en maintenant un taux peu élevé dans le foie. Enfin, la capsaïcine est un antiagrégant plaquettaire. Emploi. Comme stimulant de la digestion. Le piment en quantité raisonnable stimule la digestion et augmente la consommation de nourriture. À forte dose, il peut être irritant pour l'estomac et provoquer des ulcères. Comme révulsif. Le piment peut être employé en emplâtre dans les rhumatismes et les névralgies. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Cliquez sur j'aime et partagez autour de vous. Abonnez-vous pour ne pas rater nos prochaines publications.